essayer un loup-garou? Ah, je vais mourir! Let's go! Qu'est-ce que c'est ce bruit? Un loup-garou, au secours, à l'aide! Salut, alors c'est bien calme aujourd'hui? Bah oui, hein, pas de problème, pas d'enquête. Au secours, il y a un loup-garou qui se promène dans la rue. Un loup-garou? Vous vous fichez de moi? Pas du tout! Regardez, il m'a griffé! Bon, dites-moi où ça s'est passé. Bah juste à côté, dans la rue. Bon merci, on va aller enquêter. Merci, au revoir. Bizarre cette histoire de loup-garou. En effet, on va aller faire un tour dehors pour voir. Oh, toutes ces bouteilles, je me suis embrouillée. Bonjour monsieur, il paraît que vous êtes un spécialiste des loups-garous. Oui, qu'est-ce qui vous amène? Il y a un loup-garou qui se promène dans la rue. Mon chien est spécialement dressé pour mordre les loups-garous. Super! Si vous voulez, je vous le prête. Ah, je veux bien. Merci, au revoir. Bah alors, pas de traces de loup-garous, c'est bizarre cette histoire. Oui, t'as raison, on va rentrer. C'était sûrement une plaisanterie encore. Bon, je vais aller ranger les dossiers. Ok, à tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est pas vrai, le loup-garou au commissariat! Attaque, Médor, attaque! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Un loup, un chien, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ne craignez rien, mon chien a mordu le loup-garou, il va se retransformer en homme. Ça a marché. C'est pas possible, c'était toi le loup-garou? Bah oui, il faut croire, mais je ne le savais pas. Grâce à la morsure du chien, c'est fini, il n'y aura plus de loup-garou. On peut remercier Merlin, le spécialiste qui nous a prêté son chien. Eh bah dis donc, tu parles d'une histoire? Benjamin, Élise, Colin, Héloïse, Maxence, Maë, Elisa, Sydney, Anthony, Maï, Lucie, Jourdain, Noah, Camille, Emma,